tester différentes voiles de parapente. C'est ce que tu vas faire, Didier ? Oui, alors dans un cadre fantastique, au bord de l'océan Pacifique, sur la plage, ce n'est que du bonheur. Ouais, c'est clair. Alors vous allez voir, ça n'a pas été simple tout le temps, mais ça a surtout été une très belle expérience. On vous laisse découvrir tout ça. Bonne vidéo ! Et sans commentaire sur la chemise à Didier. J'adore. On peut encore sortir la voile, ça vient un peu fort, mais on peut sortir la voile. En temps normal, là ici, il y a 20 km/h de vent. Donc je pense que demain, je vais faire un petit tour en paramoteur. Il est à peu près 15h. On a à peu près 15 à 20 km/h de vent. On a des rafales à 28 des fois. Donc là, il est très peu recommandé, un gugus qui a un paramoteur, de s'envoler à ce moment-là. Donc, ça fait plusieurs jours que je suis là et on va essayer demain matin de gonfler la voile déjà. Parce que le temps est bien spécifique ici. Et ici, vous voyez, on a des kitesurfers de partout qui me disent que le matin, c'est correct. Ils veulent bien faire un petit tour avec moi. Et par contre, l'après-midi, ils me disent sauve-toi parce que tu pars ici, tu arrives dans les montagnes. Alors, on va pas le faire. Parce que là, franchement, merde. Ouais, 20-22, ça va encore, mais des rafales à 28. Pas cool. Alors, ce matin, on a sorti la voile et on l'a rangée immédiatement. Ça n'allait pas. Alors, à demain, on essaye. Oh, mais dis donc, regarde, c'est qu'on aurait sorti la voile. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, ça suffit pour gonfler un peu et puis pour prendre la température. À savoir que c'est un lieu qui n'est pas répertorié dans les vols en parapente. Ouais. Parce que les laps de temps sont très courts, donc on se dépêche. Bon, tu vois la manche à air là, elle commence seulement à se lever. Il est 9h, à savoir qu'en 11h ça devient impraticable parce que là on arrive à 20-24 km/h de vent. Donc, il reste pas longtemps, mais on va y arriver. Didier gonfle sa voile. Alors ici sur cette plage, le vent est très particulier. Il est particulier pourquoi ? Parce que il est relativement puissant les trois quarts de la journée. Il oscille à peu près à 15-20 km/h quasiment toute la journée. Alors ici c'est une plage de kitesurf à la base. Donc forcément 15-20 km/h voire plus, c'est que du bonheur pour ceux qui pratiquent cette activité. Par contre avec le paramoteur, il faudrait plutôt à peu près 10 km/h de vent. Donc Didier a bien pris le temps d'observer pendant plusieurs jours comment se comportait le vent, quel était le meilleur moment pour gonfler la voile et sans, éventuellement s'envoler. Donc le soir, bien souvent, bon, ça tombe à la fin de la journée, mais après c'est sombre. Donc, puis encore, bien souvent, il y a quand même encore du vent. Donc l'idéal, c'est le matin. Donc là, de bonne heure ce matin. Il gonfle la voile, il s'éclate hein. Et il pratique quand même régulièrement le paramoteur, mais là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il a pas fait, parce que c'est vrai qu'on vadrouille de gauche à droite en Équateur, on a fait beaucoup de kilomètres, donc on n'a pas eu le temps pour tout ça. Mais là comme ça il s'en remet un petit peu la voile en main. Il va encore observer le vent et si jamais il arrive à vraiment trouver le créneau qui va bien, normalement il va s'envoler avec le paramoteur. En tout cas, je lui souhaite. Sinon, il le fera un petit peu plus loin, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu fais, Didier ? T'as un souci avec la moto ? Non, je règle la tension de la chaîne. Et en plus, comme cette façon de tendre la chaîne ne me plaisait pas, il y avait deux encoches ici, j'en ai fait une centrale qui est beaucoup plus précise par rapport au réglage que je veux faire. Parce que, en principe, c'est l'axe
de l'axe que l'on règle à partir du petit, des petits traits. Et avant, c'était un coup là, un coup là. Donc j'ai fait une encoche à la circulaire. Pas la circulaire, à la disqueuse. Et maintenant, ça sera beaucoup plus précis. J'ai fait là et l'autre côté. Donc ce sera plus pratique pour toi les prochaines fois. Ouais, ouais, parce que là, ça commençait à me... On peut dire que ça me gonflait ? Bah, si tu veux. Ça me gonflait. Donc du coup, là, je vais pouvoir faire ma tension de chaîne parce qu'elle est vraiment pourrie. Ok. Voilà. Cool. Et après, je vais peut-être faire la vidange. Ah bah, ok. Là, ça fait déjà un petit moment que tu l'as pas faite. Ça n'arrête pas. On roule. On roule. On n'arrête pas. Donc Didier est en train de s'occuper de la moto. Et puis moi, je suis en train d'essayer de faire... Enfin, j'essaye pas, je fais des lessives. Donc là, Didier m'a déjà installé le fil pour étendre le linge. Et puis en même temps, je fais aussi des vidéos. Donc je travaille sur le montage. Voilà. Et on a donc la plage à quelques pas. Donc dès qu'on a envie de faire une pause, on va sur la plage. Je viens d'aller faire les courses. J'ai trouvé des moraux chats. Pas cool le gâteau. Hein, Minou, qu'est-ce que t'en penses ? Ou ils s'en fout ? Hein ? Comment c'est les moraux chats ? On va faire gaffe ici. Hein. Est-ce qu'on va décoller aujourd'hui ? Est-ce qu'on va gonfler ? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Le problème, c'est que là, regarde, ça c'est la manche à air. On est loin. Des 10 à 15 km/h devant. Aïe. À moins que j'ai une solution. Regarde. Pas prêt de décoller comme ça. Oh, la tête qu'il a. Eh ben oui, non. Ouais, bon. Alors, c'est des lunettes pour recouvrir les lunettes, mais elles sont spécialement montagne. Pourquoi ? Parce que, je vais gonfler ma voile et j'ai le soleil en pleine face. Donc, pour pas brûler la cornée, vous équipez, hein ? Bon, vous aurez pas de vidéo quand je suis en train de gonfler la voile parce que mes mains sont occupées. Désolé, peut-être que si Marilyn elle est gentille, elle vous fera peut-être des vidéos. Bon, on est à 4-5 km/h, c'est pas assez. Sinon, on va pédaler. Il faudra le double, 10 km/h. Allez, là ça monte à 6, 8, 7. Ah, mon manche à air commence à gigoter un petit peu. Allez, 3 km/h de plus, on y croit. On va attendre un peu. Et c'est reparti pour une séance d'entraînement. Alors, dans la mesure où le vent le permet, Didier essaie de s'entraîner tous les jours pour gonfler la voile. Après, en général, donc c'est le matin, comme je vous l'expliquais. Et qui sait, dans les jours qui viennent, si Didier juge que le vent est vraiment favorable et qu'il peut décoller en toute sécurité avec le paramoteur, il le fera certainement. Après, c'est vrai que le vent est assez tournant ici, donc ça peut être dangereux. Parce que, évidemment, le but, c'est de s'envoler, mais de pouvoir atterrir et revenir en un seul morceau. Le tout n'est pas de s'envoler et de finir dans l'océan ou sur un toit ou dans un arbre. Il faut pratiquer le sport, mais en toute intelligence et en toute sécurité. Ça, c'est super important. Sinon, dans tous les cas, ça lui permet de se remettre la voile en main. Et puis au moins il sera à nouveau prêt à décoller avec le paramoteur dans un endroit où qui sera peut-être plus favorable. Comment il va, monsieur Didier ? Il y a du vent, il tourne un peu. Et tu gigotes ? Il fait. Mais attends, j'arrive pas à te suivre. Il peut aller dans tous les sens. Le vent il est pas toujours quasiment dans le même sens, mais il tourne. Eh, c'est cool, t'as les mains occupées ? Oui. Je peux en profiter pour te chatouiller, pour t'embêter. On verra quand la voile va être baissée. Là, faut que je baisse, oh, par contre, oui. ça me fait un peu trop courir, donc je te laisse t'entraîner. À lundi. Ouais. Ce matin, l'océan est hyper calme. D'habitude, les vagues sont beaucoup plus grosses que ça. Elles font un bruit assez assourdissant. Et là, c'est super calme. Bon, vous entendez quand même certainement les vagues, mais c'est normal, il y a des vagues quand même. C'est super calme et les vagues sont vraiment minuscules. Et quand on regarde au loin comme ça, on dirait vraiment un immense lac.
C'est agréable à regarder et à admirer. Et à écouter aussi. Je sais pas si vous, vous aimez bien entendre le son des vagues. Moi, j'aime bien. On aime bien tous les deux. On se pose sur la plage, on écoute les vagues, plus ou moins grosses. Et franchement, c'est super top. Et puis, Didier qui s'entraîne dans ce cadre. Franchement, que demander de plus ? On danse ? On danse, c'est parti. Oh, allez, pousse là. Allez, pousse. Allez, pousse. Oh. Je suis tout cœur avec toi. J'ai poussé trop fort. Ah. Il est 10h55, 11h. Le problème, c'est que là, on a un vent. Enfin, c'est pas un problème, on a le vent, il est parfait. Pour décoller, faire demi-tour, etc. et partir. Par contre, à midi, il commence à fortir. Il va être à 14. Il va monter à 20 assez rapidement. Et on est à 24 avec des rafales à 30 à midi, même 11h30. Donc, si on décolle, ça va être très très compliqué. Le créneau est vraiment très court. Voilà. Mais là, le vent, idéal. Idéal, idéal. Mais c'est vrai qu'il va fortir. Et ça, on va voir, on va bien voir. Si je passe au-dessus des maisons, tu filmes. Oui. Ou même sur l'océan. Non, normalement, c'est là-bas. On se retrouve pour une nouvelle séance d'entraînement, un petit peu spéciale parce que Didier a trouvé un partenaire de voile. On a rencontré Chris, il est suisse, il vit ici au Pérou. Et puis ben, ils ont eu envie de partager un moment ensemble de gonflage, de voile, de paramoteur, parapente. Lui il fait du parapente, il n'a pas de moteur. Donc il a des voiles qui sont bien différentes et vous allez voir. Eh ben, c'est un bon moment de partage. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, là ? Eh ben, on a rencontré un ami parapentiste. Un Suisse, en plus. Donc, attention, il fait du parapente comme il fabrique des horloges. Ça, c'est sûr. Donc, il va me faire essayer sa voile qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus sportive et qui est un petit peu différente à manœuvrer. Alors, ouais. Voilà, on va essayer ça. Parce que là, pour la tienne, il n'y a pas encore assez de vent. Il faudrait quand même 2, 3 km/h de vent supplémentaire. Ouais. Parce qu'elle est beaucoup plus lourde. C'est un bateau. Ça, oui, c'est un bateau. Non, parce que c'est une voile qui a 30 combien ? Oh, elle est vieille. Non, mais le 30, 32 mètres, ben combien ? Mètres carrés. En mètre carré, j'en ai aucune idée. Ah, elle est grande. Celle-là, elle fait 19, celle-là, elle fait peut-être 28 ou 32, je sais pas. Je pense 30. Elle est très grande, beaucoup plus grosse, il faut plus de vent. Mm. Et c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il a pas le bon matériel. Alors maintenant, il va vous montrer avec du bon matériel. C'est parti. Le bon matériel, c'est pour mettre un moteur. Là, tu peux pas. Si tu mets ne serait-ce qu'une mouche de plus, le truc, il tombe. Il finit dans l'eau, là. C'est-à-dire que celui-là, là, quand tu vas tourner, bon, les deux bleus, les A, ça s'appelle. Et puis tu tires en arrière. Enfin, toujours, tu m'arrêtes à monter tout seul, tu laisses monter, mais tu mets ton poids dans la selle. Donc tac, et ici tu montes, un élévateur après tu freines. Tiens-moi, tiens-moi. Alors, derrière le blanc. Derrière le blanc. Hein? Tac, voilà. Tac. Et là tu montes au putain, c'est léger. Ah, mec, là, le tout, il y a 4 kg total. Celui-là par en-dessus ? Celui-là par en-dessus. Ça, c'est 4 kg total. Là. Le voile. La voile ? La voile et la sellette. 4 kg ? 4 kg. C'est pour courir, ce que je te dis. Attends, je vais te l'agrandir un peu. Et toi, Didier, elle pèse combien ? On est bien, on est pas loin des 10 kilos. Ouais, là, c'est à la patine. Hein. Ouais, ça fait une sacrée différence. Bon, surtout avec la sellette. C'est la sellette, elle fait quoi ? Peut-être 4-5 kilos ? Non, puis la voile, la structure,
Si tu regardes la mienne, tu vas la toucher, c'est de la fabrique qui est toute légère. Ouais. La tienne, c'est lourd. Les suspentes, tu regardes, elles sont assez fines, les miennes. Les tiennes sont beaucoup plus résistantes. Ah ouais. Elles sont aussi faites pour le paramoteur. Oui. Les miennes, pas. Les miennes, c'est plutôt. Ouais, c'est pour aller jusqu'à, on va dire, grand maximum 100 kg. Alors, vous l'aurez compris, la voile de Didier est beaucoup plus lourde, beaucoup, beaucoup plus lourde. Ça crée vraiment une énorme différence avec la voile de Chris qui est beaucoup plus légère. Là, comme on a que 8-9 km/h de vent, celle de Didier, ben, pour la faire décoller, ça veut pas, il n'y a pas assez de vent, elle arrête pas de retomber. Alors que celle de Chris, Didier est en train de l'essayer, et ben ça vole. Donc c'est cool. Alors c'est pareil, la façon de manipuler la voile est totalement différente. Donc c'est une bonne expérience pour Didier parce que ça lui permet de découvrir une autre voile et une autre façon de l'utiliser en fonction du poids, en fonction de sa réaction. Elle est vraiment beaucoup plus réactive. Donc voilà, ça permet à Didier de voir tout ça. Et bah, ça lui fait une bonne expérience, un bon essai et une bonne comparaison par rapport à la sienne. Et c'est super sympa parce que Chris l'accompagne dans les mouvements pour réussir à maîtriser aussi cette voile. Et il lui donne plein de conseils. C'est une voile qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus petite aussi, très manœuvrante, mais plus dangereuse que mon coussin. Et donc 70 kg maxi, c'est la mienne, on peut mettre jusqu'à 100 ou 110 kg. Donc ça n'a rien à voir. Attention à toi. Attention à toi en bas. Mignon. Donc ici, il y a du vent tournant. Et on est toujours obligé de bien manipuler la voile. Voilà. Autrement, copain suisse, c'est sympa. Bon allez, on va essayer une autre voile maintenant. Toujours avec notre ami. Avec le Chris. Avec Chris. Avec le fils. Avec le Chris. Le fils du Chris. Elle est différente encore cette voile. Alors celle-là, elle est plus grande, elle est plus pour les thermiques, c'est-à-dire les vents chauds. C'est-à-dire, regarde là-bas les nuages sur la petite colline. Ça, c'est des cumulus. Tu vois, nous, les parapentistes, on décolle des petites collines comme ça. De là-bas, ouais. Par exemple là ou là. Ouais. Et puis tu vois où c'est qu'il y a des nuages. Ben, c'est le cumulus, ça veut dire que c'est de la chaleur qui monte, qui s'évapore et ça crée un nuage. Et ça, c'est les thermiques qu'on utilise. Avec une voile comme ça, tu peux faire des bons thermiques. Avec la petite voile que j'ai là-bas, il faut déjà que ce soit des thermiques forts pour faire. Ça, c'est plutôt pour faire des sauts de puce. C'est-à-dire, tu montes en courant là-haut et tu redescends juste pour arriver sur la plage. Ça, c'est plus pour un vol thermique qu'il va nous démontrer en ce moment. Il est en train de mettre la sellette. Regarde la ventrale. Il met les jambières. Paf. Parce qu'en plus, si t'as le moteur, Tu pousses.
Ouais, puis tu tombes en arrière. C'est pour ça que toujours que... direct. Je tourne pas, ça. La deuxième, tu la tiens ici et tu la montes progressivement. Faut pas tirer trop d'un côté. Tu la montes. Si tu vois que ça monte plus vite, bah, tu tires un petit peu plus sur celui-là. Les élévateurs marrent. Si tu fais un lever de voile comme ça, ils sont à différents. Ouais, c'est pas bon. C'est ta sellette. Ta sellette, elle doit être perpendiculaire, parallèle par rapport à ton bord d'attaque. Hein? C'est-à-dire que là, ça doit être à la même hauteur. Puis là, tu auras une belle une montée progressive de ta voile. Ah, je peux pas à une main. Hein? Si, quoi, tu peux pas? Ah, parce que j'aime pas. Mais si, il y a la force, hein? C'est non, bon. Oui, mais j'aime pas. Essaye. Il faut les deux mains. T'as perdu les commandes? Bah. Prends-le comme t'as l'habitude. C'est pas comme je veux, ouais. Ça veut dire que si t'arrives à monter un élévateur à frein, tu verras, c'est beaucoup plus facile pour maîtriser ta voile. Mais fais comme t'as l'habitude. En fait, donc Didier a l'habitude de placer les mains d'une certaine manière pour sa voile, sa propre voile, par rapport au frein, il me semble. Et là, il faudrait les placer un petit peu différemment pour pouvoir gérer cette voile-là. Et bon, bah forcément, hein, quand on a des habitudes, c'est pas évident de les troubler. Donc c'est un temps d'adaptation à avoir pour pouvoir manœuvrer un petit peu différemment la voile là par rapport à celle qu'il a d'habitude. Là, c'est pour ça qu'il manque le tac. Voilà, freine. Ok, stabilise, freine un peu, freine un peu. Freine un peu. Il te relève un peu là. Ok, voilà. Là, tu te tâches. Ok, voilà. Tourner quand t'es prêt, seulement quand t'es bien neutre. Elle est encore vachement différente de la première, de la deuxième. Ah, c'est clair. Ça, c'est une voile pour plus thermique, mais elle est aussi acrobatique, mais elle est beaucoup moins rapide que l'autre. C'est devant, toujours pour te pencher en avant. Voilà. Et c'est parti, il est parti, c'est bon. Alors c'est ça, quand elle part en arrière comme ça, avant tu te retournes. Bon. Tu te retournes une fois que t'es posé au sol. Là t'as pas beaucoup de vent. Mais si tu te poses au sol et tu te retournes pas, je casse bam, tout. Tu perds l'équilibre. Et je casse tout. C'est directement, tu te... sais que le paramoteur te... Bon, maintenant, comme le vent est un petit peu plus fort, on est dans les alentours de 11 km/h, ben, c'est parfait pour la voile à Didier. Donc Didier a repris sa voile. Plus tranquille, plus soft, mais il est content d'avoir essayé les deux autres. Et Chris est toujours là, il est juste derrière, et comme ça ils sont en train de gonfler leur voile ensemble. Ah, je suis quand même content de retrouver ma mère. Bon, heureusement que c'est du sable, hein. Ouais. Sinon j'aurais plus de genoux et tout. Là on a combien? 13. 13 et j'ai 14, j'ai même vu une fois 15. Bon, bah là c'est plus la peine. Ouais. Et quelle heure il est? Il est 11h30. 11h30, ça veut dire qu'il y a une demi-heure de... Il y a une demi-heure de marche, pas plus. Ben, ça veut dire que... On va pas se risquer au décollage avec une demi-heure de marge. Sinon... Ouais, c'est court, hein. Alors Didier, oui. T'as été gâté ce matin?
matin parce que tu as gonflé avec trois voiles différentes. Alors ouais, avec Gris, on l'a trouvé. Il est venu avec ses deux voiles. Ouais. Et on en a essayé une petite rapide, une moyenne, et puis ma mère qui un gros coussin. Bateau, voilà. Enfin, un gros coussin. T'es peinard, tu mets tes fesses dessus, le truc, il en a rien à foutre. Et quel a été ton ressenti avec chacune d'elles? Ah, j'ai aimé la petite rapide. J'ai aimé parce que bon, manœuvrabilité excellente. Ça s'appelle la Pi. La marque Pi. Ouais, bah c'est Advance Pi. Advance. Ah, ok, c'est une Advance Pi. Et puis la moyenne, je l'ai trouvé. Alors, la petite excellente, la moyenne, et je préfère la même. La tienne. Ouais. La tienne. Pourquoi? Parce que la moyenne est un peu plus agressive, plus. C'est cheval de course. Ah, c'est clair. C'est le cheval de course, mais le grand cheval de course. Ouais, c'est clair. Et moi, j'aime bien les petites pattes, alors. Bon, ça t'a plu d'essayer tout ça? Ouais, merci Chris. Alors demain, si jamais on revient ici pour la deuxième vidéo qui sera avec le moteur qui va monter ce soir. Didier va se mettre au travail. Il va l'assembler ce soir pour que demain matin, première heure, on est là pour le live de Mancora Live. Ouais. Comment casser les pattes à pépère? À pépère. Non, je vais peut t'aider à décoller, ça va être sans problème. En plus, si jamais tu as assez d'eau pour atterrir, si vraiment tu la sens pas, toi. Ouais, plouf. Je vais chercher une petite paddle et puis on sort de l'eau. Voilà, c'était en direct ici de Mancora. Hasta luego. Ouais. Ah, encore une question, vas-y. Si. Ouais. Chris, dis-nous, tu viens de Suisse? Je suis de la Suisse, c'est ça. Tu viens de où exactement? Alors, je suis né dans le Jura bernois, près de Bienne, c'est-à-dire on parle français et suisse-allemand là-bas. Mais après, j'ai beaucoup vécu près de Lausanne, Morges, près des lacs Léman. Oh, c'est magnifique. Excellent. Bah, on en profite d'ailleurs pour faire un grand coucou à tous les Suisses qui nous suivent. Ouais. Salut les petits Suisses. Et les Savoyards, la Haute-Savoie aussi, ouais. Parce que j'habite le Grand Bourgnon. Megève, Salange, Combloux, Chamonix. Attends, on n'a pas les mêmes valeurs. Non, c'est clair, c'est clair. Megève. Attends, c'est Non, nous c'est le Grand Bourgnon, quoi. Ouais, non. En caravane en plus. Ouais. Camping. Et maintenant tu vis au Pérou. Maintenant ça fait 4 ans que je suis marié avec une péruvienne et j'ai 3 enfants et je vis au Pérou ici. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ici je donne des cours de kite, je m'amuse un peu avec mes joujoux de sport. Sinon je prends aussi les gens avec mon dinghy, mon petit bateau gonflable, et on va voir les baleines, on fait un petit peu de plongée et pêche à l'harpon. On s'occupe, quoi, on va dire. Excellent. Et tu as un compte Instagram, quelque chose qui Instagram permet de te Chris contacter? Instagram Chris Watersport, ça veut dire C-H-R-I-S W-A-T-E-R-S-P-O-R-T-S. Chris Watersport en un mot. Et puis tu me retrouves sur Instagram. Et si jamais on a des bungalows, j'ai oublié ça, on a des bungalows aussi à louer. C'est-à-dire que j'ai créé un petit hospital, tout le petit truc que j'ai créé, il y a des hamacs, etc. Machin, truc. Et j'ai mon petit fitness là-bas où je donne des cours privés de personal trainer de temps en temps. Mais le truc, c'est des petits bungalows ici à Mancora avec piscine. Ça veut dire si jamais vous allez sur Ecosana Mancora. Ecosana Mancora en un mot. Et vous retrouvez notre petit hospedaje. C'est la totale. Si vous avez besoin de massage, sauna, c'est chez nous. On est ravis de t'avoir rencontré. Ouais, moi aussi. Et puis moi, je suis contente que vous ayez pu partager ce moment. C'est clair, c'est un moment. Ouais, cool. C'est cool. Merci. Et puis à la prochaine, quoi. À la deuxième vidéo demain, quoi. Quand on aura cassé les pattes à pépère. À 8h. Allez, à lundi. À très vite. Bon alors, Didier. Oui. Est-ce que tu vas t'envoler avec le paramoteur ici? Alors, non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le laps de temps où le vent est dans le bon sens est suffisamment fort et suffisamment faible aussi pour pouvoir m'envoler. Le laps de temps est beaucoup trop court. C'est-à-dire qu'on est à 10-12 km/h pendant une heure et demie de temps. En gros, quand ça ne change pas. Et ensuite, le vent forcit jusqu'à 24 à 30 km/h. Bon, après, je vous rappelle que c'est une voile et pas un avion rigide. Bon, comme me dit un collègue dans un commentaire, c'est pas comme avec le DA20 avec 12 nœuds de travers. Voilà. Donc en tout cas, ça a permis de reprendre la voile en main. Et puis ça permettra d'être à nouveau prêt. Il a repris la maîtrise de la voile et d'être prêt pour un autre endroit où le vent et le lieu sera plus favorable pour le paramoteur. Oui, alors le gonflage est préconisé par tout le monde. Il faut toujours garder la maîtrise, c'est important, de la voile, c'est important. Après, mettre le moteur dans le dos et décoller, c'est très facile. Reste surtout, c'est avoir les conditions idéales. Ici, c'est une plage de kitesurf.
Et c'est vrai que quand ils ont commencé à voir ma voile sur la plage, beaucoup de gens ont regardé. Ils ont halluciné. Étonnés. C'est clair. Bon, fou, mais pas bête. Non, faut rester prudent. En tout cas, bah, pour une fois, j'ai filmé ces aventures avec la voile. Les voiles, en l'occurrence. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que Didier à dompter la voile et à défier le vent de Mancora. Alors, on compte sur vous pour mettre plein de pouces vers le haut. Et puis, ben, on va ranger tout ça, car demain... On reprend la route. Ouais, on reprend la route. Et on va où? Ah, ça, vous verrez bien. Nous sommes prêts. Hier après-midi, un couple français très charmant avec une petite fille est arrivé. Et du coup, ben, hier soir, on a pris l'apéro ensemble à l'extérieur, tout en admirant le coucher de soleil et également les baleines qui sautaient au loin dans l'eau. Franchement, c'était super sympa. Et puis ben, là, pour nous, ben, c'est le départ. Didier fait la pression des pneus avant de partir. Et puis bah ensuite, bah le tout, ça va être de sortir d'ici. Parce qu'il y a quelques passages étroits. Bon, après, c'est pas ce portail-là. C'est un petit peu plus loin. C'est très étroit. Bon, après, de toute façon, on est rentré. Donc, ça va sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardera bien la roue arrière, les roues de secours. De Guayaquil, et ben Guayaquil de nuit c'est chaud, hein, surtout un samedi soir, il y a pas mal de monde. Bon, là j'ai pas fait de petite vidéo à l'intérieur de Guayaquil parce qu'il fallait vraiment les deux mains sur le volant, une dehors, sur les clignotants, dire attention je tourne à gauche, à droite, etc. Donc ouais, mais j'ai bien aimé. Qu'est-ce que ça fait du bien de se promener? Bon, ça fait du bien, Minou. Où tu veux. Mais c'est pas possible! Tu t'es trompé de route! Comme d'habitude. Est-ce que t'as fait erreur sur le pays? Alors, je suis toujours en train de te regarder tellement tu es magnifique et je ne vois pas les panneaux. Je suis désolée. Mais tu voulais aller en Équateur ou pas? Oui. Bon. Bah donc t'es dans le bon pays. Alors tu vois, je peux te regarder et en même temps suivre un trajet. Bon, bah écoutez, dans les prochaines vidéos, on verra ensemble pourquoi nous sommes revenus encore en Équateur. En attendant, ben, partagez, abonnez-vous, voyagez. Mettez plein de pouces. À bientôt et n'oubliez pas, voyager, et ben c'est la liberté. C'est d'être heureux, tout simplement.